Alors, Chartrand, qui était rassembleur, trouve que c'est difficile de réunir les trois centrales syndicales. La CSN, la FTQ, qui n'est pas une centrale syndicale entre parenthèses, mais qui agissait quand même comme une centrale syndicale, et la CEQ dans le temps qui est la CSQ aujourd'hui. Alors, il suggère de mettre sur pied une organisation Grand Montréal. Et on met sur pied le Comité régional intersyndical de Montréal, le CRIM. C'est Chartrand qui avait choisi le nom, le CRIM. Et étant donné qu'on ne demande pas l'autorisation des centrales syndicales, on va voir le Conseil du travail de la FTQ, on leur soumet le projet, et oui, je dis nous autres, on embarque parfaitement. Et du côté de la CEQ, ce qu'il y avait comme mouvement qui brassait un peu à Montréal, c'était l'Alliance des professeurs de Montréal. Alors, on a formé une organisation régionale qui existe encore, d'ailleurs, de nos jours. Et ils se réunissent à l'occasion et ils vont chercher des mandats dans leur organisation qui reviennent discuter après ça dans ce comité régional-là. Ça marche tout le temps. Ça a été une des grandes transformations qui s'est faite par Chartrand.